Le petit train est parti. Tout le monde conserve sa position. Ouais, qu'un Laurent Millara qui est pas trop mal parti. Quand non, même. Mais là, tout le monde attend. On ne peut pas doubler. On attend. Changement de plan, drapeau vert et c'est parti. Tu vas voir. Ah, je connais par cœur. Et voilà. Allez, c'est parti. Soulard Chandros, c'est le départ. Voilà, Soulard Chandros, exactement. L'excellent repère est là. Laurent Naël, Clémentine Lost, Laurent Millara, Margot Lafitte, Valentine Marchal et je crois que c'est Philippe Bansard qui est. Voilà, c'est ça, Philippe Bansard qui est dernier, juste derrière Valentine. Devant, tranquillou, hein, pour Laurent Naël qui a fait le plus facile pour l'instant. Il est parti en tête. On va surveiller le petit point du record du tour quand même, même si là, il n'y a pas trop d'intérêt pour tous ces pilotes. Petite faute de Clémentine Lost. Eh oui, et elle va au même endroit. Hein. Ouais, mais c'est souvent qu'elle fait une petite faute comme ça. Au même endroit, tout le temps. Laurent Millara en profite pour passer. Oui, il est passé, alors elle touche un petit peu à l'extérieur. Oui, et Margot Lafitte va passer au freinage. Attention. Non, elle est à l'intérieur, elle n'est pas passée, elle a gardé sa place. Laurent Millara est deuxième. Ah oui, mais alors dis-moi, les filles, il n'a pas de cadeau. T'as vu ça un peu. Allez, Margot qui va réessayer à l'intérieur peut-être là. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire Clémentine là, elle va repasser Millara. Quelle belle bagarre, elle se laisse pas faire Clémentine, c'est et bien. Ben non, et voilà, elle a, c'est très sportif. Et elle a 60 kilos. Hein. Et elle a 60 kilos en plus. Oui. Oh là là, ils sont trois de front, ça se retouche. Oh, on voit que c'est la dernière finale, tout le monde se lâche. Pendant ce temps-là, Laurent Naël, lui, il est parti, il a pris le record du tour. Et derrière, bagarre entre Laurent Millara, Clémentine Lost, Margot Lafitte et Valentine Marchal. Ah, elle est là, Valentine. Oui, elle suit le rythme, Valentine, c'est bien. Allez, amélioration du chrono du record du tour pour Laurent Naël, 47-6. Mais derrière, Millara est à 4 secondes 2. Derrière, on a un groupe compact avec Clémentine Loss, Margot Lafitte, Valentine Marchal. Ils sont tous ensemble là, les deux filles. Elle est à l'attaque, Clémentine. Elle essaie de passer à l'intérieur. Là, mais ça va faire les affaires de Margot Lafitte. Elle est à l'affût, Margot, derrière. Voilà, ça y est. Elle est passée devant Laurent Millara. Oh, super dépassement de Clémentine Lost, vexée par sa petite faute tout à l'heure. Elle reprend sa deuxième place. Elle est passée avec autorité, on va dire. Clémentine s'est affirmée, c'est bien. Alors que Margot, elle va peut-être essayer de tenter passer Laurent Millara, de ne pas laisser trop de champ. Bien sûr. Et là, regarde comme elle s'est détachée en demi-tour, là, pour l'instant. Et Clémentine, même si elle est un petit peu loin de Laurent Naël, puisqu'il y a 5 secondes. Ensuite, elle a presque gagné une seconde. Elle est sur Laurent Millara dans ce tour. Mais Laurent Naël continue. Et attention Margot là qui est bien placée. Ça suffira pas. C'est bien. Ouais, mais il y a le virage d'en haut. Attention de ne pas refaire la même faute tout à l'heure qu'a fait, de ne pas trop s'écarter Laurent. Parce qu'elle va plonger à l'intérieur. Margot Lafitte. Non, ça ne passera toujours pas. Alors que nous allons rentrer dans le dernier tour lorsque les voitures vont passer sur la ligne de chronométrage. Le premier à y rentrer, ça sera Laurent Naël qui est en tête du début à la fin. Voilà, il sort dans la ligne droite là-bas d'arrivée. On lui signifie qu'il rentre dans son dernier tour, Laurent Naël. Mais nous, on continue à suivre la bagarre entre Laurent Millara, Margot Lafitte et Clémentine Lost un petit peu devant. Attention, elle a décroché un petit peu là, Margot Lafitte. Elle ne pourra pas porter une attaque sur Laurent Millara dans ce virage, sauf s'il fait une petite faute. Et il ne la fait pas. Donc pour l'instant, Laurent Naël, Clémentine Lost, Laurent Millara, ça n'a pas changé. Nous sommes dans le dernier tour et Laurent Millara qui il est cerné par les filles, Laurent. Ouais, mais pour ça, ça peut être sympa. Hein. Laurent, il y arrive pas. De se défendre. Non. Margot, elle ne passe pas pour l'instant dans le dernier tour. Ça va peut-être être figé comme ça. En tout cas, Laurent Naël, nouvelle belle victoire pour lui dans cette catégorie élite. Attends, il lui reste encore 100 mètres, 150 mètres même peut-être. Voilà la voiture, le drapeau à damier sur la gauche qui va s'agiter. Laurent Naël qui remporte cette finale de classement. Il sera donc 7e. Clémentine Loss 2e prend la 8e place. Laurent Millara et Margot Lafitte ensuite. Et c'est Valentine qui aura résisté jusqu'au bout. Voilà, on voit que les ornières commencent à poser des difficultés dans cette ligne droite. Ça va être chaud, mon cher Philippe, pour ce qui nous attend tout de suite, c'est-à-dire la super finale chez les élites de ce e-trophée Andros. Bravo donc à Laurent Naël qui termine en beauté donc, et à la 7e place ce week-end à Val Thorens.